suis responsable développement des compétences et formation au sein de Dalkia Est. J'ai commencé mon parcours au sein de Dalkia en étant tout d'abord secrétaire, sténodactylographe, puis assistante de direction dans le cadre d'une direction administrative et financière. Et j'ai ensuite bifurqué vers les ressources humaines, où j'ai été assistante formation, puis responsable formation, et enfin responsable de développement des compétences. Le changement n'a pas été difficile à amorcer, puisque l'entreprise m'a accompagnée dans cette démarche, au travers d'une formation notamment que j'ai pu suivre au CESI à Strasbourg. Et c'était la formation responsable ressources humaines qui m'a permis d'acquérir les compétences ou de les compléter. Alors, ce que j'ai ressenti, c'est effectivement la confiance que l'entreprise m'a témoignée et le fait de devoir me challenger pour réussir. Le responsable de développement des compétences et formation travaille essentiellement sur la partie supervision d'un plan de formation et cherche à développer l'ensemble des compétences des salariés au sein de l'entreprise. Les satisfactions que je retire de mon métier sont multiples. Où, en tant que maître d'apprentissage, j'ai pu transmettre mes connaissances à plusieurs apprentis qui ont réussi et qui aujourd'hui ont un parcours dans l'entreprise qui est valorisé et qui est valorisant pour eux.